Hey, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, putain, j'arriverai jamais à parler. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur Rule of Survival, un jeu que je connais, que j'ai joué, qui est franchement pas mal. Alors, c'est parti, générique. Alors nous voilà dans Rule of Survival, c'est bon, on y est. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on peut faire d'abord de base dessus. De base, vous arrivez dedans. Bon, vous avez pas un petit costume comme celui-là parce que ça, c'est moi qui ai ouvert des caisses et qui ai gagné des habits. Non, au début, vous avez qu'un habit très 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 moche. Je peux vous montrer deux trois trucs vite fait. Alors, vous allez dans amis, là où vous pouvez faire ce que vous voulez. Bon, moi j'ai déjà quelques amis, enfin deux pour l'instant. Ouais, vous faites ce que vous voulez et tout machin. Ou faire aussi la géolocalisation, je peux. Voilà, pour vous faire ça. Après, non, là c'est par contre sur des prix que vous pouvez partager ou quoi. Si vous gagnez des trucs ultra cool, vous pouvez le partager à des copains ou quoi. Enfin, avec des amis. Bon, là, vous faites ce que vous voulez avec, là. Ah, voilà. Là, c'est quand vous gagnez des tickets spéciaux. Et avec, vous pouvez ouvrir des caisses. Et justement, je crois que j'ai assez d'argent pour ouvrir quelques caisses. Alors, c'est parti. On va pas attendre très longtemps. Non. Ça. Non plus. Santé. Voilà, c'est ça. Quand vous avez, c'est 500$ la caisse pour gagner un truc super cool. Vous pouvez gagner le légendaire masque à gaz, le masque à gaz qui est vraiment pas dégueulasse, franchement. Si je le gagne, alors là ça serait le jour de gloire pour moi. Et là je peux plus rien acheter, mais j'ai gagné des tickets en plus. Et regardez ce qu'on peut faire avec. Voilà, avec ces trois tickets vous pouvez gagner un costume incroyable. Vous pouvez gagner ce costume là qui montre ici. Ou soit le robot qui est juste en bas là, tout en bas, à côté du petit M là. On va nous, à nous ouvrira. Oh. Oh! Veste de chasse. Veste de chasse. Oh là là. Ah, je vais voir ça direct alors. Loot, ça c'est vos habits, enfin pas que les habits, il y a plein de trucs, des tags et tout. Ouais, j'avais remarqué qu'on pouvait mettre maintenant à vous mettre des tags sur des murs ou quoi. Oh là là, comme elle est trop belle. Allez hop, on met ça. On peut mettre aussi en FPS, mais bon. Je n'y arrive pas, c'est ultra chiant. Ta gueule, toi. Bon, par contre, ça, c'est mon ordinateur juste à côté qui fait son petit casse-couille. Enfin, voilà quoi, vous pouvez faire plein de trucs. Bon, évidemment, faut bien gagner l'argent pendant des matchs ou quoi. Bon, sans plus tarder, on va faire notre premier match. C'est parti. Ah, par contre, il faut attendre. Hein. C'est très très long. Ah non, pour une fois. C'est parti, on est parti. Avec un pote, on a failli faire top 1. Seulement, c'est que moi, j'avais envie de faire le kikou, aller un peu le fight au fusil à pompe. Enfin, j'avais pas de fusil à pompe, plutôt une Thompson. J'ai voulu faire le mec ultra fort qui joue assez à ce jeu-là et à PUBG Mobile. Résultat, je me suis fait kill. On a fini top 2. J'aurais dû rester planqué dans la baraque. Dans la baraque. Dans la baraque. Voilà. C'est ça qui est chiant dans le jeu, c'est que vous entendez les personnes parler. Voilà. Un petit bug des fois, c'est que hop, vous entendez les personnes, et ben là on peut les vous les entendez plus, mais si vous le laissez. Si vous l'avez déjà désactivé, que vous recommencez une partie, faut le réactiver et désactiver parce que sinon vous les entendez encore et c'est ultra chiant à la fin. Il n'y a plus rien. Et le petit micro, vous parlez au gars. Voilà.
Bon, perso, je sais pas trop où sauter parce que là où on saute le plus proche des loots, ben, c'est là où il y a beaucoup, là où il y a beaucoup de villages genre Bitter Lake. C'est là où il y a beaucoup de monde des fois. Il faudrait pas trop y aller. On saute là, vas-y. Là là là, on va aller sur... on va aller là. Bon, par contre le parachute c'est toujours le même look hein, c'est toujours le même look, mais vous pouvez gagner des nouveaux looks pour votre parachute ou quoi. C'est ça qui est bien. Mais pour les gagner, faut être blindé dessous ou avoir beaucoup de chance pendant pour tomber dessus. Hein. Ah, merci. Ça va, ça n'a pas été loot. Ah, il y a un petit vélo. 2, 3, 4, 5. Oh putain, je suis tombé sur. Oh, Norserie de vélo. Et en plus, on peut les conduire. Sac à dos. Niveau 2 en plus. Le meilleur, c'est le niveau 3, mais bon. Je me plains pas d'avoir ça. Je parle pas trop parce que je voudrais écouter si j'entends pas des personnes venir ou quoi. C'est ultra frustrant parce que franchement des fois vous entendez pas les personnes et tout. C'est ultra chiant. Mais bon, vous avez le petit capteur en haut qui vous le montre ou quoi. C'est ça qui est déjà bien. Bon, du tout. Je suis tombé sur ce petit fusil à pompe qui est pas trop cool. Oh, sac niveau 1, c'est nul, franchement, trop nul. Ah, yes. Oh, ah non. Crois qu'il y a quelqu'un en voiture. Y a rien là-bas un peu plus loin qu'il y aurait. Faudrait que j'active le massage automatique parce que franchement ça serait c'est très utile. Merde, putain de merde alors. Non, ah bah c'est vrai, y avait rien là. Hop, long zap. Oula, ça va. Ah, j'ai pas trouvé encore de bandage, moi je suis mort là. Enfin. Je prends jamais les véhicules parce que moi, franchement, les véhicules, je sais pas du tout les manœuvrer correctement. C'est un truc incroyable chez moi, ça. Ça, franchement, les véhicules, je déteste. C'est pas genre comme dans PUBG Mobile. Dans PUBG Mobile, c'est deux fois plus mieux. Bon, par contre, attendez. Hop là. Dans PUBG Mobile, c'est deux fois plus mieux. Ah, là, il est beau ce bizarre. Dans PUBG Mobile, c'est deux fois plus mieux pour conduire, quoi. Parce que franchement, dans celui-là, dans Rule of Survival, ben, c'est vraiment la galère, quoi. Alors, qu'est-ce que nous avons?
Là, c'est quoi? J'ai niveau 2. Oh putain! Excusez-moi pour les grands mots. Je crois que ça a été loot. Il y a un largage quelque part, je crois. Ouais, non, ça a été loot. Là-bas. Il y a un largage plus loin, je sais pas si on peut le tenter. On pourrait, hein, franchement, on pourrait. Non, genre, on peut conduire le tracteur, qui va à 2 à l'heure. Franchement, je savais pas, je vais tenter le largage. On va tenter le largage. Ça s'enchaîne les kills. C'est incroyable. Oh. Largue. Oh là. Oh, la chance que j'ai. Vas-y, go go go. Certes, je suis pas assez stuffé, mais bon, je m'en bats les couilles. Je joue souvent avec un pote qui s'y connaît vraiment bien sur Rule of Survival. Et franchement, je vois le look qu'il a. Il a un de ses skins. Je me dis, ok, y a pas besoin de chercher longtemps. Lui, c'est sûr, c'est un professionnel sur ça. Mais bon, pas trop en fait. Oh! C'est bon, je suis mort. Ta gueule! Bizarre, j'ai peur que quelqu'un me shoote. En plus, il y a la zone qui arrive. Oh. Et yes. En plus, oh, bah c'est bien. En plus, on a deux largages juste à côté. Oula! Ah ouais! Hein?
dans les baraques. Ah mais attends, j'ai pas regardé dans le coffre. J'ai eu peur. T'inquiète. Plus tard. Aïe. Oh non, ça va. Ouais, c'est ma grand-mère. Il y a un autre largage, on va le tenter lui aussi. Putain, si j'avais la lunette x4 ou même la lunette x8, ça aurait été mieux pour faire ça. Je sais, il pompe plus. C'est dommage, oui. Je comprends pas par contre, parce que j'étais vers la caisse, je me dis c'est bon, je vais me loot facilement, j'aurai un bon loot et tout. Je comprends pas pourquoi le mec il est pas venu me cueillir. Parce que moi si ça aurait été moi, j'aurais descendu un peu plus loin. Après je serais venu, hein. Devant une personne, je crois. Au final, je serais bien stuffé. Hein. Casque niveau 3, gilet fois 2. Oula. Ça a l'air intéressant. Ah. Bon, ça a été fait. Faudrait que je trouve un meilleur sac à dos. Oh! Ah non! Non. Je t'ai alors fait chier.
Je me suis fait tuer comme un con. En plus, il avait un bon stuff, lui. J'avais un snipe et tout. J'avais la lunette Wakanda. Ouh. Qu'est-ce que j'ai gagné? 200 pièces d'or. 200 pièces d'or. Ok. Alors. Bon, ben on va faire une petite partie. Ah non, non! Oh non, faut que je la télécharge. Ouais. Bon, on va faire une petite dernière partie. Allez, dernière partie, et après on va s'arrêter là, parce que là j'en suis quand même à 22h30 minutes, c'est quand même un peu long, hein, enfin, pour certains. Moi je vais m'arrêter là, parce que sinon c'est vraiment trop la galère pour faire cette vidéo. En espérant quand même qu'elle sorte, parce que franchement, déjà je me suis cassé la tête à télécharger le jeu, parce qu'il a trop mis de temps. Donc voilà quoi. Oh putain, je suis malade moi. Ah? J'entends encore tirer, moi. Oh, il est tombé. On va aller à Bitterville. Bitterlake, pardon, Bitterville. Et vous allez voir que franchement, c'est dur de chez dur. Voilà. Le bâtiment, je crois que j'aimerais bien. C'est le plus grand là, le blanc. Sinon, après, je verrai pas lequel. Parce que les autres, il n'y a pas trop grand chose à part des bandages dedans. Oh non! Je vais arriver avant toi, mon coco. Coco. Vas-y, reste là. Oui! Yeah! Voilà pourquoi je voulais pas trop venir là, la première partie. Vous entendez pas un peu des coups de feu ni rien là? C'est la grosse merde.
Voilà, ça c'est la. Ça c'est cette arme-là, je l'aime bien. Oh, il a tout pris, c'est barré l'autre. Oula. Une merde. Bon, je sais pas si on peut le tenter, l'autre qui est parti là-bas au fond. Dommage, on l'aurait loupé le premier kill, il y avait un mec, je crois que j'aurais pu me le faire, hein, franchement. Ah, ok, autant pour moi. Je me dirigeais du mauvais côté. Ouais, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Ouais, je me dirigeais donc du mauvais côté. Un coffre. Bon, c'est bon, j'ai eu ma dose. On va arrêter là, hein, comme j'avais dit tout à l'heure. Ça sera tout pour aujourd'hui, en espérant que ça vous aura plu. On se dit à la prochaine, bye bye. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like, c'est très important, mais bon, je ne vous force pas. Allez, à la prochaine.